tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Moi ça va, sauf que j'ai chopé le rhume, là ça y est, c'est fait. Mais je vais bien. Alors, j'ai beaucoup de boulot pour le moment puisque je prépare mes cours en ligne. Mais avant de remballer ce que j'avais reçu dans mes commandes, je voulais juste les partager avec vous vite fait. J'ai fait une commande chez Stampin' Up. Alors, on n'a pas de chance, nous les Belges, parce que Stampin' Up n'est pas encore en Belgique. Mais par contre, j'ai trouvé une gentille demoiselle. Et si vous voulez connaître ses références, ben, laissez-moi un message. Qui travaille en France, mais qui livre en Belgique par Mondial Relais. Donc, je suis super, supra, super contente. Alors, le matériel Stampin' Up, je suis d'accord, c'est un matériel qui coûte cher. Franchement, c'est pas bon marché, c'est pas donné. D'ailleurs, vous auriez dû me voir faire ma commande. Je commandais, puis je barrais, puis je remettais. Bref, ça m'a pris un temps fou parce que je voulais vraiment prendre des choses que j'allais... soit que j'avais envie d'essayer, soit que j'avais déjà vu plein de fois en me disant « ça, vraiment, ce serait bien que je l'ai ». Et donc, voilà, on démarre et on y va et je vous expliquerai au fur et à mesure. J'ai d'abord pris les mini perfos. Alors, c'est toujours... la même qualité de perfos et ce sont des perfos, vous vous souvenez, hein, j'ai déjà expliqué, avec un cliquet, moi j'appelle ça un cliquet, qui font en sorte qu'on peut les ranger plates. Et ce qui est très bien aussi, ouais, la fille qui montre un truc et ça marche pas, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que sur l'avant de la perfo, vous le voyez là, vous avez le motif qui est repris. Donc si vous les rangez, j'imagine aller comme ça dans un bac ou quoi, ben vous pouvez retrouver le motif facilement, ce qui est franchement pas mal. Alors, je vous avoue que les perfos Stampin' Up, j'en ai pas énormément, mais je compte vraiment petit à petit en acquérir parce que les perfos, ça reste un truc pratique malgré tout. Hein, on a notre silhouette pour celles qui l'ont, on a la Big Shot, mais les perfos, parfois, c'est quand même bien pratique. En parlant de perfos, donc ici, j'ai pris une petite fleur, une étoile et un cœur qui sont des motifs, je trouve, qu'on utilise beaucoup. Quand même. Et parlant de perfo, j'ai aussi acheté celle-ci. Attendez, je vais essayer de mettre la lumière dessus. Ouais, je suis désolée. Hein. Voilà. Donc, ce sont des petits cœurs. Tiens donc. Et donc, même chose. Hein. On peut la ranger comme ceci. On a le motif. Il y a le petit cliquet. Alors, moi, je l'ai pas... C'est une perfo de bordure. Moi, je l'ai pas vraiment acheté pour ça. Je l'ai plutôt acheté pour avoir des confettis de petits cœurs. Et j'ai acheté la même, il y a un moment... avec les étoiles aussi, pour avoir des confettis d'étoiles. Parce que je trouve qu'en un clic, on en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la même couleur. Et de tailles différentes, donc c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est plus facile qu'avec mon mini die, quoique je l'adore, hein, je vais continuer à l'utiliser. Mais c'est quand même, d'un clic, on a quand même pas mal. Hein. Donc ça, voilà. Ça, c'est au niveau des perfos. Maintenant, au niveau des encres, je vous en avais aussi parlé dans une autre vidéo. J'en ai acheté deux, voilà, que deux. Mais bon, je me dis, je vais les acheter vraiment petit à petit. Et celle-ci rentre pile poil dans mon projet qui va suivre pour le printemps. Et j'ai vraiment choisi ces couleurs-là pour ce projet-là. Donc, j'en ai un qui s'appelle Fleur de cerisier et l'autre qui s'appelle Petite pirouette. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, tant qu'à faire, je n'en achète que deux, mais je vais aussi acheter les réencreurs, ce que j'ai fait. En me disant, voilà, si j'y vais petit à petit, ça ne va pas me paraître trop lourd comme charge financière, mais comme je sais que ce sont vraiment des produits de qualité et qui durent longtemps et qui sont en accord avec des papiers, etc. Ah, le chien. Bien, il a l'air de s'être calmé, ce petit cornichon. Donc, je disais, en accord avec les papiers. Et puis, ce sont très souvent de très, très, très belles couleurs. Vous avez parfois des tampons, certaines marques de tampons, où les couleurs sont un peu bizarres. Je sais pas. Ici, c'est vraiment de très jolies couleurs, de très beaux choix de couleurs. Donc, je suis contente. Et alors, l'avantage, peut-être vous le savez déjà, hein, mais pour celles qui ne le savent pas, ce qui est bien, c'est que l'encre est déjà stockée à l'envers. Vous voyez, quand j'ouvre... Oh, ouais, super, je suis pas dans le champ. Quand... Donc, je referme, voilà. Et quand j'ouvre... La fille qui est pas douée, voilà. Ok, donc quand elle est stockée, elle repart comme ça, la tête en bas. Et donc, vous les empilez comme ça et vous allez toujours garder le pad avec la tête en bas, ce qui est quand même bien pensé, bien foutu. Bon,
Ça, c'est pour les encres. Une petite chose qui m'a frappée aussi, c'est qu'avec chaque produit, c'est emballé dans un plastique supplémentaire. Vous avez un petit dépliant qui vous donne ce que c'est, comment ça marche, comment l'utiliser. Même les petites bouteilles d'encre, même tout, tout, tout. Vous avez chaque fois une petite note explicative en plusieurs langues. Et je trouve que c'est vraiment appréciable. Franchement, top, top qualité, il n'y a rien à redire. Aussi, ceci, je l'avais souvent vu. C'est un tapis pour utiliser avec ceci. Je sais pas comment ils appellent ça. Attendez, je vais essayer de trouver le nom correct. Ah, ils disent pas. Attendez. Bon, bref, soit c'est un picot, comme on disait en maternelle. Donc, un perceur, un piercing. Je ne sais pas, piercing tool. Donc, pour faire des trous. Ou pour faire des fausses coutures, des choses comme ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le tapis, il est grand, déjà. Et le mien, il était vraiment naze, parce que malgré tout, regardez, j'ai fait un petit test. Ça laisse une trace de pique, hein, malgré tout. Donc, le mien, il était tellement loin que je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on va se faire plaisir. Donc, j'ai pris le tapis et l'outil de perçage, je sais pas comment dire. Alors, vous me connaissez avec mes cols, hein, maintenant. Vous commencez à me connaître. Et j'ai vu ici qu'ils avaient une colle de précision avec le fameux embout dont on a déjà parlé maintes et maintes fois sur toutes les chaînes. Ça ressemble très fort, le flaconnage, hein, ça ressemble très fort à ce que j'avais utilisé à Noël, qui était un genre de... Comment ça s'appelle? Glossy Accent. Vous vous rappelez, j'en avais à paillettes, j'en avais du noir, j'en avais du blanc. Et c'est exactement le même type de flacon, mais donc c'est une colle de précision. J'ai hâte de l'utiliser pour pouvoir vous dire ce que j'en pense vraiment. Mais je vous avoue que j'ai quand même commandé en confiance parce que je sais que ce sont de bons produits. Autre chose que je voulais depuis très longtemps, c'est ceci. Alors on dirait un cookie, hein? Non, pas du tout. En fait, c'est une espèce de gomme pour effacer les traces de colle qui resteraient sur vos créations. Alors, beaucoup de gens les utilisent. J'ai vu Christina Werner l'utilisait, Jennifer Maguire, etc., etc. Et donc, si vous avez une trace de colle, vous gommez et normalement la colle s'en va. À voir, à tester. Mais comme il y a beaucoup de gens qui y font référence, je me suis dit, je vais quand même en acheter un pour le tester. Et pour l'utiliser surtout. Encore chez Stampin' Up, j'ai eu des cadeaux. Si je ne me trompe, ces deux-ci, c'est cadeau. Voilà. Donc il y en a. Donc ce sont des timbres en caoutchouc, hein, voilà, que vous devez défaire. Et puis vous pouvez, si vous voulez, coller sur le timbre ce que c'est. Et moi, je trouve que quand on met l'autocollant, ça ne colle plus si bien à la plaque en acrylique. Donc moi, je ne le mets pas l'autocollant. J'enlève juste cette partie blanche et alors j'ai un truc qui colle bien à ma plaque. Voilà. Donc j'ai celui-là juste pour toi, pour ce grand jour, parce que je t'adore, parce que tu es formidable. Et alors il y a des petites fleurs. Et celui-ci, bonjour, petit rayon de soleil, bonne fête, cher ami, joyeux anniversaire. Petit chapeau, un petit smile, un petit soleil et une bordure ici d'herbe ou de je ne sais pas quoi. J'ai hâte, hâte, hâte de les utiliser. Et enfin, celui-ci, je l'ai commandé. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, probablement vous avez déjà vu des vidéos sur le sujet, hein. Ce sont ces fameux tampons que l'on tamponne en plusieurs couches. Et ce qui est bien, donc voyez, vous avez la rose ici, vous avez trois étapes. L'étoile de mer, vous avez deux étapes. Le colibri, vous avez, je crois que c'est quatre étapes. 1, 2, 3, 4, je crois. Et la feuille, pareil. Et vous avez des petits mots, mais ils sont en anglais. Donc, Et ce qui est bien, c'est que sur votre planche de tampon, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un numéro. Ici, par exemple, pour l'étoile de mer. Oh, je ne sais pas si on voit. Il y a un numéro 1, puis là, il y a un numéro 2. Donc, on vous dit dans quel ordre il faut les tamponner. Vraiment aussi, j'ai hâte de les essayer. Je vais d'abord un peu aller voir sur Internet comment les filles le font exactement, mais j'ai hâte. Et le colibri, il est trop beau, quoi. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les faire dans des dégradés comme vous voulez. Vous pouvez le faire dans des bleus, dans des roses, dans des violets, dans des verts. C'est trop, trop bien. J'ai vraiment hâte d'essayer. Et la dernière chose que j'ai achetée chez Stampin' Up, c'est ceci. Alors, regardez, je ne sais pas si vous voyez.
Je vais essayer de m'éloigner. Chaque fois, je me trompe de bouton. Hein, donc, voilà, encore une fois, je ne pousse pas sur le bon. Voilà. Alors, vous avez ici un quadrillage. Voilà. C'est en inch. C'est en inch. Mais de l'autre côté du bloc, donc vous pouvez tourner le bloc des deux côtés, c'est en centimètres. Et alors, ce qui est bien, je vais essayer de descendre comme ça. Non, de descendre, Anne-Marie. Crotte de bique, vous ne savez pas le voir. Attendez. Hein. Comment je vais faire? Je suis à l'envers. Attendez. Je vais replier. Voilà. Maintenant, vous le voyez. J'ai ici un zéro central et j'ai de part et d'autre, voyez, 1 cm d'écart, 2, 3, 4, 5, c'est génial. Ici, vous avez un quadrillage, mais même en... Oh, je vais faire comme ça. Je ne sais pas d'où est là-dedans. La fille, c'est lundi matin, faut me pardonner. Ici, vous avez un étalonnage en centimètres avec la marque des millimètres. Pareil en dessous. Et ici, vous avez wishlist et notes. Donc, je trouve ça trop sympa. Moi, j'aime bien avoir du papier quand je travaille en dessous sur mon plan de travail. Parce que quand je tamponne ou quoi, j'aime bien ne pas faire trop de crasse. Et en plus de ça, j'aime bien, je suis une fan de papier, donc j'adore travailler sur du papier. Et je pense que ça va bien m'aider. Alors, le bloc, il est épais. Hein. Je ne m'attendais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas à un bloc aussi épais. Regardez. Quand même, je ne sais pas combien il y a de pages, il doit y en avoir 100 à mon avis. Chose comme ça. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir. Trop contente. Vraiment, je pense que je vais en faire très bon usage. Et en plus, je me suis dit, imaginons que je veuille faire un plan. Pour celles qui ont suivi mes ateliers silhouette en ligne, vous vous souvenez, hein, quand on traçait nos polygones et qu'on avançait de X cases, etc. Je vais pouvoir déjà tracer mes plans ici dessus avant de les réaliser à la silhouette. Je suis contente! Surtout que ça fait quand même, regardez, ça fait 30 cm. Donc c'est génial, ça fait un peu moins, mais c'est moins grave. Et donc je vais pouvoir tracer mes plans avant de les faire sur mon truc silhouette. Mon truc. Oui, c'est lundi matin. On longe ici les silhouettes. Voilà. Donc, trop content, trop content, trop content. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais marquer l'avant du bloc. Je vais indiquer celui qui est en centimètres. Ce sera plus simple. Le côté où je dois l'ouvrir pour avoir les centimètres. Et pour ça, je vais vous montrer. Donc ça, c'en est fini de mes achats. Mes achats. Stampin' Up, ce qui est quand même pas mal. Hein. Et je voulais vous faire part d'un achat dont je suis ultra, ultra contente. Où ai-je mis la carte de visite? Ah, voilà. C'est un tampon personnalisé que j'ai fait faire chez Blue Mini Studio. Voilà, ils m'ont laissé d'ailleurs des cartes de visite et j'ai vraiment, je vais les garder bien au chaud parce que je trouve que c'est un travail épatant et donc c'est joliment emballé dans un petit sac. Donc c'est www.blueministudio.com et ils ont aussi une boutique sur A Little Market. Franchement, c'est super, les gens sont super sympas. Donc vous choisissez, ils vous proposent plusieurs types de cachets, vous choisissez votre cachet. Et puis, vous mettez vos coordonnées, ce que vous aimeriez bien y voir. Et alors, ils vous envoient un projet par mail. Et vous décidez si vous aimez bien ou pas. Vous pouvez changer éventuellement. Moi, j'étais très contente, donc voilà. Et alors, vous recevez, enfin, vous le payez bien sûr, hein, un tampon bois comme ceci, un peu à l'ancienne, et un timbre en caoutchouc qui est vraiment très fin. Alors, je vais vous le montrer hein, quand même. Petit clin d'œil à Valérie pour la couronne. Hein. On est très couronne hein, pour le moment, toutes les deux. Voilà. Hop. Et voilà. Regardez-moi ça comme c'est joli. Pas mal, hein? Franchement, j'adore. J'adore parce que ça n'a l'air de rien, mais je fais quand même pas mal d'envois et chaque fois devoir tout réécrire, etc. Je trouve que c'est bien plus sympa de recevoir une enveloppe avec un cachet comme ceci dessus. Comme ça, on sait dessus d'où ça vient et c'est un peu chiqueuse quand même. J'aime bien. Je me suis même dit que si j'étais vraiment, si j'avais le temps, entre guillemets, je pourrais très bien, avec un marqueur colorié et la couronne en vert, et le texte en rouge par exemple ou peu importe une autre couleur ou en noir pourquoi pas
et le tamponner comme ça. Mais là, je trouve que ça donne super, super bien. Franchement, super qualité, Blue Mini Studio. Je suis pas, comment, je ne suis pas sponsorisée par eux, mais j'étais tellement contente de ma commande que j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est du très joli travail et du très fin travail. Ça, c'était un autre achat. Et enfin, le dernier, en scrap, hein, parce que oh, je sais pas ce que j'ai eu ce mois-ci, j'ai beaucoup dépensé. C'est ceci. Donc, c'est un carnet. Alors, ça ne se voit pas fort, mais c'est un genre de vieil or. Bon, je ne vais pas dire que c'est de la top qualité, ça vient de chez Emma. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que je commence à avoir pas mal de matériaux, genre des encres Distress, des encres de chez My Favorite Things. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle de ces encres-là, parce qu'elles sont vraiment chouettes. Mais je ne les ai pas toutes, évidemment, parce que bon, c'est un budget malgré tout. Donc, je me suis dit que dans ce carnet, j'allais faire un peu comme j'avais fait à Noël pour celles qui m'ont suivi. Vous voyez, un petit swatch de mes encres. Comme ça, si jamais je suis dans une boutique ou en train de vouloir commander sur Internet, j'ai quand même les références de toutes les encres que j'ai. Quand je veux faire un projet, je vais pouvoir aussi me dire, tiens, cette encre-là, elle correspond à la couleur de mon projet. Je suis en plein dedans d'ailleurs. Donc, j'ai laissé des pages. Bon, j'achèterai jamais tout ça d'encre Distress, mais bon. Ça, c'est mes encres Favorite Things. Et puis, j'ai commencé, parce que les autres, je les ai pas encore swatchées. Les encres Stampin' Up, ben voilà, j'ai swatché les deux que je venais d'acquérir. Et alors, je me suis dit, je vais toujours laisser la ficelle à cet endroit-là, et ce sera mes réglages silhouette. J'ai encore rien recopié. Mais je voudrais que ce carnet soit vraiment comment je vais dire, mon carnet de notes, non seulement un carnet d'inspiration, mais aussi un carnet de référence, parce que à force d'avoir des différents carnets, eh bien, ça commence à faire beaucoup de carnets. Donc je me suis dit, tant pis, les swatches sont petits, mais ça donne quand même une bonne idée de la couleur. Et donc, je pense essayer de travailler comme ça. On est toutes d'accord, on essaie toujours de trouver les meilleures solutions. Ah, c'est pas toujours les meilleures, mais en tout cas, voilà. Alors, j'adore, moi, écrire avec une plume. Enfin, en l'occurrence, c'est pas une plume. Je sais pas si vous connaissez ces stylos. Ça, c'est la marque Online. Et ce sont des rollers. C'est une bille. Mais que vous remplissez avec des cartouches, des simples petites cartouches. Et moi, j'adore écrire avec ça. Et ce papier-là. Ce papier-là, il va super bien avec ça. C'est pour celles qui aiment l'écriture. C'est très important. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Donc, voici, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui. Que je suis en pleine préparation et j'ai mis le message sur Facebook de mes ateliers en ligne de printemps pour la silhouette. Et ça va être top, top, top. Alors, je me permets d'être fière de ce que je vous prépare parce que vous allez voir, c'est assez nouveau et chouette. Et moi, je m'amuse beaucoup, beaucoup à les préparer. J'ai d'ailleurs un petit indice pour vous. Je me suis acheté de la lingerie chez une Kummel, je crois qu'on dit. Je ne sais pas très bien comment on dit. Et ils ont emballé la lingerie dans ce genre de papier de soie. Vous voyez ce que c'est? C'est du papier de soie où il y a une impression en blanc dessus. Eh bien, si vous allez chez Unkemöller, gardez-le bien parce que ça fera partie de nos projets. Et donc, ayez l'œil. Alors, je vous donne un petit indice. Ayez l'œil sur la transparence blanche, comme je l'appelle. Voilà, un petit indice comme ça pour s'amuser. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Je prépare aussi une série de vidéos pour répondre à toutes vos questions. Souvenez-vous, je vous ai proposé de faire un question-réponse. Il est encore temps. On est le 29 février. Donc, vous avez encore une journée complète pour aller mettre vos questions au bas de ma vidéo. Je vous mets le lien ici en bas, en barre d'infos. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir me poser les questions, regarder ce qui a déjà été posé et je répondrai à vos questions. Dans le courant de la semaine, probablement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.